allez bien, si vous allez pas mal, à ce que tout le monde est prêt, me faites pas chier. Comme convenu, la Belgique a été éliminée, donc voilà. J'ai enlevé mes vanilles, j'ai rétréci un peu mes cheveux, et j'ai foutu de la colo dedans, aux couleurs de l'équipe de France. Moi j'ai rien enlevé mais j'ai mis de la colle aussi, voilà. On a l'air de gros cons, vous êtes Un contents, voilà, gros con. rigolez, Voilà, si vous voulez, moquez-vous. mettez sur Twitter, sur vos réseaux sociaux. En tous les cas, vendredi, je vous jure, vous sortez contre le Portugal, frère. Évidemment qu'on n'a pas été faire une vraie colo, on n'allait pas niquer nos cheveux à mettre trois couleurs dedans, on a utilisé des bombes des supporters. Mais je pense qu'on a l'air déjà de gros cons comme ça, donc vous n'allez pas en demander plus. Vous On n'allez pas en fera demander plus de plus et on ne fera colo, pas on fera plus. plus. Faites pas chier. Déjà que j'ai perdu mes vanilles, je suis vert. J'ai le drapeau de la France dans mes cheveux. Je suis même pas français, je suis encore plus vert. M'énervez pas. Et moi qui ai perdu ma belle chevelure, qui maintenant je ressemble à un idiot. Bon, je pense que peut-être toi ça change pas grand chose. Ah ouais? Ouais. Pitié, non, pitié, Non, non! De toute façon, je m'en bats les couilles de cette teinture. Dans 2 jours, la France sort de l'euro. Vous l'aurez vu ici en premier, je vous l'annonce. Cristiano Ronaldo va encore sauver le football et nous débarrasser de ces tricheurs que sont Didier Deschamps, Mbappé et sa bande. Vous allez sortir vendredi, enfin. Et le football sera enfin sauvé. C'est tout ce que j'attends. Le reste, je m'en bats les steaks. Vendredi, vous inquiétez pas. Rira bien qui rira le premier ou le dernier. Je sais pas comment on dit. Rira qui. Le dernier qui rira sera le premier. Je sais pas. Les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va très très mal, comme vous pouvez le voir. Nous avons tenu notre part du pari, je sais pas ce qu'on dit, mais bref, voilà, nous avons les couleurs de la France sur la tête. Et je sais même pas comment commencer. Ma belle chevelure. Quelle belle chevelure, mec, j'ai perdu mes belles vanilles. Mes beaux cheveux avec lesquels je gérais des meufs. Mes vanilles incroyables. Je pourrais plus gérer des meufs maintenant que. Ils vont tous se moquer de moi maintenant que j'ai ça T'as sur la rien tête. perdu, frère. Toi, c'était quand même pas beau, frère. Gros, arrête d'être désagréable. Nous deux, on a perdu quelque chose. T'as rien perdu, toi. Voilà, on va devoir sortir avec ça dans la rue. Ma belle cheveux, mes beaux cheveux, vous manquez déjà. Du coup, les gars, c'est simple. Nous garderons notre coloration jusqu'au prochain match de la France qui est quand? Vendredi. Voilà, du coup, on prie pour que ces jours passent extrêmement vite. Tout ça parce que la Belgique est incapable de battre la France. Regardez les Belges, regardez ce que vous nous faites. Regardez comment on a l'air de deux guignols. Tout ça parce que vous êtes incapable de gagner contre la France. 6 matchs, 6 défaites. J'espère que vous vous sentez coupable, hein. Regardez mes cheveux. Vous avez niqué mes cheveux? Ah, mes beaux cheveux, regardez, j'ai du blanc. Bref, voilà, du coup. On prie pour que ces 2 jours passent vite. Ça va passer vite, ça il va va aller, ça sortir va aller, vite, frère. Ça va aller. Je te promets, ça va aller. Voilà, profitez-en, screenez, envoyez à vos amis, envoyez à toute votre famille. On mérite, on a l'air de deux idiots. Voilà, screenez nos têtes. Mettez sur Twitter, faites des mèmes. Faites ce que vous avez fait l'habitude de faire, là, vous moquez, voilà. Regardez bien. Tu te rends compte que tout ça, c'est de ta faute? Si t'avais pas dit à Russie, ouais, si la Belgique perd, on teint nos cheveux. Que tout ça c'est ta faute. Regarde bien, toi aussi tu vas te sentir coupable. C'est la faute de Bien, t'as Lucas. sali mes cheveux. C'est la faute de Lucas. C'est de ta faute à toi aussi. Fallait pas parier sur la Belgique. On peut pas parier sur ce pays. 6 matchs, 6 défaites. C'est du jamais vu. Même pas une victoire. Juste une. Regardez, j'ai du blanc sur le front. Bref. Voilà, dans 2 jours ça va être comme ça. On va sortir dans la rue. Voilà, moquez-vous de nous. Faites ce que vous voulez. Tu veux dire que je suis moche là? Ouais, trop moche. Ok, c'est plaisir. Moi j'ai en plus, il y a de la poudre qui tombe de ta tête et tout, ça fait sale. Ok, donc je suis une merde en fait. Je suis une merde. J'ai pas dit ça, mais en tout cas, ça te met pas du tout en valeur. Ok, c'est gentil.
Bon, ça va, c'est bien. C'est que deux jours, c'est que deux jours, ça va. Ouais, je te laisse. Bisous. Pourquoi tu me juges comme ça, en fait, avec ton regard? Parce que t'es trop violent. Je suis vilain. Donc c'est normal de voir son homme et dire qu'il est pas beau. Bah, je suis désolée, je peux pas dire que t'es beau, là, t'es vraiment... Donc je suis moche. Bah, vas-y. Ça te met pas en valeur. Donc tu sors avec moi que pour mes cheveux. Non, c'est juste que ça te met pas en valeur, je vais pas te mentir. Et donc là, je suis pas beau, là. Je suis ta femme, je dois te dire la vérité. Et donc là, je suis pas beau. Non. Non. Tu dois le prendre comment, là? Bah, mal. Et toi, t'es belle, du coup? Bah... Toi t'es belle du coup? Bah là je suis parce pas. Parce que t'aimes sur... bien dire que je suis moche, mais toi t'es belle du coup? Là je suis pas sûre. Toi t'es belle du coup? Là je suis pas sûre. Toi t'es belle toi déjà pour commencer? Oui. Oui. La vie de ma mère, je suis quand même beau avec ça, frère. C'est quoi ces meufs, frère? Quand je change de coupe de cheveux, je dis que je suis pas beau? J'ai pas dit que t'as. Donc notre amour tient sur une coupe? J'ai pas dit. Si je l'ai plus, je suis pas beau. J'ai pas dit que je t'aimais plus, j'ai simplement dit que ça te mettait pas en valeur, que t'es pas beau avec ça. Donc je suis moche. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Voilà, vous voyez, c'est le genre de femme qu'on côtoie en 2024. Au moins, je suis voilà le genre de femme qu'on côtoie en 2024. Je l'ai pris avec beaucoup de soutien. Parce que franchement, une femme à qui je donne tout, que je traite comme une princesse et tout, je change de coupe de cheveux et elle me regarde déjà avec du mépris, avec autant de jugement et aussi peu d'amour. Tout cet amour pour une coupe de cheveux, les gars. Je suis choqué. Choisissez bien vos femmes, les gars. 2024, faites les bons choix. Moi, j'ai choisi au hasard. Voilà, maintenant, je paye les pots cassés. Mais choisissez bien vos femmes. J'ai sorti les phrases. Dans tous les cas, tu resteras mignon. Il y a deux secondes, c'était pas ça, frère. J'ai juste dit que ça ne t'allait pas. Je suis juste... Moi, au moins, je suis pas hypocrite. D'accord, donc t'es en train de dire que si demain, je change d'apparence, tu ne m'aimeras plus à ma donc, juste valeur. Donc, il faut que je te dise que t'es beau avec du bleu, par rapport à mon apparence. Arrête de tout. Il y a des femmes qui trouvent leurs hommes beaux, même quand ils sont chauds, même quand ils ont des boutons partout, mais même quand ils ont la tête rasée, même sans sourcils. Mais toi, tu m'aimes que quand je suis à mon top. T'es vraiment un menteur. Alors que moi, je t'aime même démaquillé. Tout le temps, en fait. Tu sais qu'à aucun moment, j'ai dit que je ne t'aimais pas. J'ai juste dit que ça n'a pas... Mais vous avez vu le regard qu'elle a fait ou pas quand elle a regardé mes cheveux? Mais parce que quelle ça... femme regarde son homme mais comme parce ça, que ça te va quelle... pas. Les gars, toutes les personnes qui arrêtent pas de me demander si je vais bien, arrêtez. Je suis frais, je sens bon, je suis beau, je suis rempli du Saint-Esprit et en plus de ça, je suis grave bien habillé. Pourquoi j'irais pas bien? Depuis le début de cette sauce, je ne suis jamais rentré dans une dépression. Parce que trust on the fucking rust et le rust ne ment pas. Arrêtez de me demander si je vais bien, ça m'énerve. Je vais bien de baiser. Wesh. Putain, frère. Ils ont échoué. Cette année, les sorciers voulaient me tuer. Ils ont échoué. Ils ont échoué. On y va. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Mes collègues des services voulaient ma place. Oh, ils ont échoué. On vous dit depuis le début, trust on the fucking rust, nigga. Vous avez douté, j'avais douté pour dessus. On vous avait dit, hein. J'ai toujours écouté dans son rust. Trust on the fucking rust every day, every time. Sentez-vous bête maintenant. Ceux qui l'avaient traité de. De quoi? De V1? De V1? De V1?
On entend plus bizarrement. Allô, on entend plus trop. Tu restes en de fucking West, c'est tout. Regardez le reste, c'est bien présent. Voilà. Il n'est pas derrière les barreaux. Pas derrière les barreaux. Libérable le reste. Libérable. Libérable, il en joue de baiser. C'est vous idiot maintenant. C'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça devient intéressant, Mighty. Trust on the rest, on the fucking rest. Non, ça. Je n'ai jamais dit que tu étais un violeur de ma bouche. De leçons, hein. Quand on vous dit, il vous a invité depuis le début, vous n'avez pas écouté. Dit juste c'est important, les gars, faut toujours écouter les deux versions. Vous êtes là, vous voyez la fille, elle fait la miskine. Voilà, parce qu'elle a des gros lèvres. Je te jure, parce qu'elle a des gros, ouais, voilà, bref. Ouais, voilà, bref. Bref, quand on vous dit qu'il fallait écouter, faut écouter les deux versions. Maintenant vous avez écouté, vous sentez bête. Faut pas écouter les deux versions, faut écouter le reste. Faut écouter le reste. Tu vois, sur les fucking croyez, croyez en NCB. Tout le temps, NCB. Mais mon frère, on n'aurait jamais traîné avec lui. Ça, c'est NCB, ça, c'est Trust on the West. Ça, c'est Trust on NCB. Rien d'autre. Rien de. Et Trust on the Big Ted aussi. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un tube. C'est pas ça le sujet, c'est que t'es innocent. On vous a dit Trust on the West. Les Français ont gagné, oui, et je l'ai dit bien, depuis le début bien, qu'on allait vous goumer. En vrai, t'as gagné, t'es innocent. Tout le temps. Les gars, quand on vous dit Trust on fucking NCB, NCB for real, NCB for real, la chine. Ayez confiance, vous avez pas cru, voilà. Vous avez pas écouté. Quand il y a un membre de NCB qui a un problème, faut croire toujours, croire en membre de NCB. Voilà, c'est la voix de la vérité. NCB est le chemin de la vérité. Voilà, merci beaucoup. Voilà, voilà. Voilà les gars, regardez, NCB, ces deux hommes se sont mouillés pour moi. Non, c'est mouillé voilà. Avant tout le monde. C'est mouillé avant tout le monde, tout le monde a cru à moi avant tout le monde. Voilà. Et je vous explique un truc. Les gens ils parlaient pas avant que nous on parle. Dès qu'on a commencé à parler, je parlais. Maintenant ils ont vu, c'est comme ça, c'est comme ça à parler. Voilà, NCB for real, that shit, dis-moi c'est combien le prix j'achète les gars. C'est super important. Voilà, c'est très important les gars, voilà. Respectez maintenant, arrêtez de sucer frère. Vous êtes fous quoi. C'est maintenant les désolé, pardon, rusty, on savait, on t'a fait confiance. Nous depuis le début on s'inquiétait innocents. Les sorcières ne mourront pas. Les sorcières jouaient. Les sorcières ont échoué. Vous avez échoué lamentablement. Voilà. On attend vos excuses maintenant. Mettez-vous à genoux. On the fucking West, nigga. Just on the fucking West, bro. Mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux maintenant. Voilà. Venez nous sucer parce que quand on disait qu'il était innocent, vous faisiez les malins. C'est rien de sucer maintenant. Ça m'a resté en mode ouais. Vous êtes des. Dis-leur. Arrêtez de sucer tous ceux qui étaient contre moi là maintenant. Évacue ta frustration. Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Un poteau. Vous êtes où? Et ceux qui étaient là, NCB. On est en bleu, NCB forever. Et tous ceux qui suçaient des queues. Barrez-vous d'ici, frère. On veut plus vous voir, on veut plus voir la communauté. Vous êtes des suceurs. Quand vous disiez qu'il était innocent, ça m'a accusé de défendeur de V-Word. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde vient me voir en mode oh, Kinda, t'avais raison en fait. Oh, je m'excuse, Kinda. Voilà. Et que cela serve de leçon à tout le monde. De un, on n'accuse pas les gens sans avoir écouté leur version. C'est-à-dire que quand quelqu'un raconte un truc, on attend d'avoir la deuxième version de la personne avant d'accuser. C'est même pas chrétien de faire ça. Voilà, je vais vous dire un truc. C'est même pas chrétien de faire ça. Donc tous les chrétiens, là, les pseudo-chrétiens et tout qui n'ont pas attendu la version de Rusty et qui l'ont directement insulté, déjà ayez honte et allez demander pardon là, vite avant que ça vous gifle là. Deuxième chose, les filles, on ne joue pas avec ces histoires de couleur violette, d'accord? Il y a des femmes qui se sont vraiment fait V dans leur vie et qui vivent chaque jour avec ce traumatisme. On ne joue pas avec ça. On n'accuse pas les gens juste pour le flex, pour faire des trends, pour faire des vidéos, pour faire des histoires et tout, des buzz et tout sur internet. Il y a des gens qui souffrent vraiment de ça tous les jours. Donc on arrête de jouer avec ça, on arrête de jouer avec ce mot. Parce que c'est pas un jeu, c'est pas drôle. Il y a des gens qui sont traumatisés à vie à cause de ça. Donc déjà que ce soit la dernière fois, que ce soit elle ou d'autres filles, etc., qui avaient l'idée en tête d'accuser des mecs de oh lui m'avait. Pensez-y une deuxième fois maintenant avant de le faire. C'était le goat, putain quand je parle comme ça, Pasteur Kinda vraiment quand je parle comme ça. Je suis mort, putain, je suis mort. C'est... Trust on the rest, on the fucking rest. Non, ça. T'es vraiment le plus moche du groupe, mon ref, sache-le. Avec ta grosse tatouage, t'es le plus moche du groupe. T'as plus de vanille, oublie. Oublie, tu es le plus moche du groupe, je te jure. Voilà. Pas, ça arrive. Voilà, et maintenant ils ont bien vous allez de France ici. Demain, vous allez on sortir. On va pas sortir. On va pas sortir, tu vois, ça de fucking West. On ne va jamais sortir. Ronaldo est rouillé. On s'en bat les couilles de Ronaldo. On le baise. Ronaldo, on le baise. Ronaldo, on le baise. Mbappé baise tout. Mbappé, c'est personne. Ha ha ha!
Je suis mort, putain, je suis mort. C'est... Vous avez pas oublié, vous, hein? Teinture de la France sur le crâne, hein? Les perdants. Regardez leur grosse teinture de merde. Quand on vous a dit, tu vois, c'était encore une fois on the West. La France a gagné. À chaque fois que le reste est quelque part, en fait, tu parles, toi. Je porte bonheur aux équipes. Tu commences à croire. Voilà, gros. Voilà, tu commences à croire. Tu commences à y croire. Faut croire en Russ, gros. Voilà, maintenant vous avez les teintures là sur vos gros crânes. Pas de bolos. J'ai tout en raison. Voilà, c'est pas ça le sujet. Voilà, maintenant t'as une grosse ceinture sur ta calvitie. Y'a pas que moi, y'a aussi qui est envie de baiser. Lui aussi, t'inquiète pas, lui, je l'ai bien vu, lui. Sa grosse touffe. D'ailleurs, la puce est vanille, lui. T'as, il est vraiment de retour, le reste. Hein. Gros, c'est pas ça le sujet. T'es le plus moche du groupe, t'as plus de vanille. Oublie. C'est pas ça le sujet. Oublie, tu es le plus moche du groupe, je te jure. Voilà, ça arrive. Voilà, et maintenant ils ont bien. Vous allez sortir. Demain, vous allez sortir. On va pas sortir. On va pas sortir sur ça. Elle a échoué cette semaine, la sorcière voulait le tuer, elle a échoué. Je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là dans le live qu'on a fait avec NASA, il y avait une Renoir qui arrivait dans le live et qui... Et qui se comportait avec Ted comme si c'était Sarah Klee, ok? Maintenant, je vais vous montrer comment la meuf harcèle Ted depuis plusieurs jours en message et tout, elle l'appelle. Pour elle. Regarde ce qu'elle m'écrit, je ne suis pas son gars. Pour elle, elle est sûre que Ted est son mec. Je vais vous montrer une discussion, je vous jure que cette meuf. C'est le message aujourd'hui. Je t'écris depuis hier, tu réponds pas pourquoi. Mais sachez que depuis hier, elle l'harcèle. Regardez le nombre d'appels manqués. 8 appels manqués. Réponds-moi, bébé. Bébé. Non. Réponds-moi, pourquoi tu me réponds pas et tout. Eh les gars, je vous jure, dans sa tête, elle croit que Ted c'est son mec. Je ne suis pas son frère. Tu sais qu'une fois qu'elles sont déterrées comme ça, c'est trop tard. Je te promets, je suis à d'autres porter plainte. Gros, tu sais que c'est ta raclée, ben dans tes. Rien, c'est pas ma raclée. Tu n'as pas le choix, frère. Elle a décidé. Regarde. Elle t'envoie des bébés. Elle t'appelle des 50 fois par jour. Mais viens, on l'appelle. Mais frère, je bloque. Viens, on l'appelle. Bloqué. Appelle-la, gros. De fou, frère. Viens, on l'appelle. On va pas. Les gars, non. Je dis que Ted, il doit l'appeler. C'est pas mais gros, appelle-la au moins pour lui dire. Mais appelle-la pour lui dire. Regardez le nombre d'appels manqués, ouais. Mais pourquoi tu répondais pas? Comment ça, pourquoi je répondais pas? Tu t'envoies des messages depuis hier? Oui, d'ailleurs, faut qu'on en parle de ces messages. Tu sais qu'on ne se connaît pas. Comment ça, on se connaît pas? On ne se connaît pas. Enfin, je sais pas pourquoi tu m'appelles, pourquoi tu m'harcèles. Enfin, non. C'est fini le live. Comment ça, c'est fini le live? Bah, c'est fini. Pourquoi tu m'harcèles? Pourquoi tu m'harcèles, tu m'appelles bébé et tout depuis hier? Bah, parce que. Dire en gros, c'est que. C'est que arrête de harceler. Non, il voulait pas dire arrête de harceler, mais en gros, il a été un peu choqué de ta manière brusque de l'approcher. Non, est-ce qu'on approche les gens comme ça? Tu m'envoies des bébés. T'étais choqué, c'est ça? Ouais, j'ai mis. Une approche un peu plus douce, j'ai capté. Je veux pas d'approche du tout, je veux pas que tu m'approches. Oh, attends, frère, écoute là. Je te jure, pendant live, vous rigoliez gros, bien. Gros, c'est elle qui rigolait avec moi. T'as fait un TikTok avec elle, oui, après, oui, vous étiez proche. On a rigolé vite fait, mais frère, de là, m'appelait bébé et tout. T'as pas un gars, un autre gars? T'as pas quelqu'un dans ta vie? Oh, Ted, pour une fois qu'une meuf, elle veut toi. Non, t'es un bâtard, Elle commence à aller loin. T'as dit quoi? Comment ça, j'ai pas un autre mec? C'est toi, mon mec? Ted, je t'ai dit, quand elles sont des terres comme ça. Ah, allez, t'as vu, je vais encore lui briser le cœur. C'est vrai. Et j'ai vu. Oui, c'était pour les TikTok, c'était pour tes vidéos, sinon. Ouais, mais ça t'avait l'air de prendre du plaisir quand même, hein. Ah, le pas proche dans la vraie vie. Ok. Est-ce qu'on est. On a un accord ou pas? Tu me laisses tranquille? Mais je peux pas te laisser tranquille. Bon, allez, salut. Ted, t'es méchant. Ah, t'es un gros bâtard. Regardez comment il raconte. Voyez, aucune meuf veut de lui. Il y a une meuf, elle veut de lui, maintenant il bombe.
T'es vraiment un gros bâtard, je te jure. Je t'aide dans le Black Love maintenant. Frère, arrête. Regardez. Regardez comment il était proche. Regardez. Attends, attends. Si c'est que pour TikTok, regardez, 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 regardez la tête. Regardez sa tête, comme elle est heureuse. Regardez, attends, c'est pas fini, c'est pas fini. Regardez, regardez, regardez. Ah, le pic. C'est pas fini, c'est pas. Lâche mon téléphone, lâche mon téléphone. Lâche mon téléphone, j'ai goumé. Regardez, 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 regardez. Regardez, il est dans le Black Love. Il est dans le Black Love. Il est dans le Black. Dans le Black.